Donc, numérotation des titres. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées. Au moins dans le traitement texte Word, notamment à partir de la version 2007, il y a une méthode très simple. C'est utiliser ce qu'on appelle la hiérarchisation. Donc, ça a été redéfini ici en ce qu'ils appellent donc liste à plusieurs niveaux. Voilà, il y a des listes prédéfinies et notamment, par exemple, on peut utiliser celle-ci qui utilise donc les styles de titre. Voilà. Et donc l'intérêt, voilà, donc on le voit tout de suite, c'est que bah, il numérote voilà, tous les titres automatiquement. Voilà, une méthode très simple, c'est ceci. Alors, évidemment, un des problèmes, c'est que les formatages proposés ne conviennent pas forcément. Hein, donc il y en a quelques-uns. Alors après, on peut rentrer dans le détail évidemment et définir un nouveau style de liste. Tout est possible ici. Hein. Sachant que bon, la méthode est plus ou moins simple, on va dire. Donc c'est vrai que si vous ne voulez pas vous compliquer, utilisez plutôt hein, voilà, des styles prédéfinis ici. Je vais montrer donc juste après. Comment par exemple mettre ses propres styles. Donc on va le faire tout de suite. On va revenir, voilà, hop, en arrière. Donc là, on vérifie, il n'y a plus de numéro. Donc par exemple, si on veut numéroter ABCD en premier lieu, donc on va pas utiliser ceci, on va plutôt utiliser, voilà, ici un style prédéfini, mais que pour le premier niveau. Voilà. Alors on voit que ça n'a pas été appliqué ici. On va réappliquer. Donc on va faire clic droit, mettre à jour titre 1. Voilà, et là, le B a été appliqué. Le C également, etc. Voilà, donc là c'est le premier niveau qui est numéroté. On peut voir que le deuxième niveau n'est pas numéroté. Donc là, si vous voulez le numéroter, par exemple avec petit A, petit B, on revient là-dessus. Voilà, ici donc. Petit A, l'azote. Là, pareil, ça n'a pas été appliqué, donc clic droit, mettre à jour. Voilà. Alors, le problème, on va voir. Voilà, on voit que ici, vous avez un grand C, donc le bilan d'import-export. Et d'ailleurs, j'aurais pu le montrer pour le B. On va prendre plutôt le grand C. Et que le deuxième niveau donc a été commencé à numéroter A. Ce qui était un peu embêtant, c'est comme s'il n'avait pas vu en fait le grand C. Bon, il suffit juste de faire une sélection, voilà, du champ en fait ici, donc de la partie grise, faire un clic droit et voilà, redémarrer à A. Et là, normalement, voilà, A, B. Bon, il n'y a pas d'autre style de titre 2 après. Voilà, donc il y a toujours moyen hein, de numéroter comme on veut, mais c'est vrai que les format prédéfini de style hein, de titre de numérotation de titre sont quand même assez simples à utiliser donc dans au moins dans Word.